Alors en France, nous sommes entre 100 et 150 héliciculteurs et nous ne produisons les meilleures années que 5 à 10% de la consommation française. Le reste venant de l'étranger. La journée de travail commence par le nettoyage des cages et le contrôle d'état de santé de nos reproducteurs. La ponte s'effectue dans des pots spécialement préparés. En enlevant le couvercle, on découvre les œufs que l'on récupère de cette façon. Ensuite, on les dépose dans des assiettes garnies de tourbe. C'est à partir de ce moment que le processus d'éclosion démarre. Placés en parc et nourris aux céréales broyées, leur croissance est assez rapide jusqu'au moment de la commercialisation. Notre production est haut de gamme, c'est-à-dire que l'on va enlever toutes les viscères et ne garder que la partie noble, la partie musculaire. La transformation s'effectue en laboratoire CE. Nous sommes soumis à des contrôles rigoureux pour nos produits, qu'ils soient en bocaux ou en frais. Bon, et nous, Elliot, qu'est-ce qu'on fait le 11 septembre? Alors, on va à la fête du parc à Guérande.